l'appelle Lucky Luke de l'Est au Far West. Il arrive au galop, le cowboy héros. Il s'en tirait plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Même les Dalton qui ne craignent personne ont peur de Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke. Oh sacré Lucky Luke. Et hors la loi, n'échapperont pas au tir de Lucky Luke. Cette fois-ci, je me suis perdu pour de bon. Et j'ai l'impression que je suis plus au Texas. Arrière, Cabot, je suis en retard pour le débat. Cet homme sympathique habite une belle maison, j'ai envie de le suivre. Et j'exhorte mes collègues du Congrès à se joindre à moi, le sénateur Wilbur Wittins, pour le soutien d'une expédition qui explorera la région du Sud-Dakota au-delà des collines noires. Ainsi, nous pourrons ouvrir à la colonisation le territoire du Wyoming. Le chef de cette expédition sera mon vieil ami, Lucky Luke. Cette expédition est une folie. Je cède la parole à mon collègue, le sénateur Orwell Storwind. Je prétends qu'envoyer des colons au-delà des collines noires, c'est les envoyer une mort certaine. Arrière, Cabot! Nom d'un chien, serait-ce rentemplant? Mais c'est mon vieil ami Lucky Luke, ça fait plaisir de le voir! Ça, c'est bien rentemplant. Eh bien, Luke, le Sénat au complet a voté à l'unanimité pour l'expédition des collines noires. Ouais, excepté le sénateur Stormwind. Et je maintiens que cette expédition est une terrible erreur. Vous serez tous perdus! Perdus! C'est ce qu'on appelle un vrai bout en train. Ne faites pas attention à lui, Luke. Venez donc dans mon bureau pour faire la connaissance des autres membres de l'expédition. Et je vous présente les... Professeur Siméon Gergel, biologiste. Et professeur Ira, double lape, géologue. Professeur Christophe Cranium, anthropologue. Lucky Luke, cowboy solitaire. Jolly, fidèle cheval. Et Rentemplant, chien de garde vagabond. Spécimen intéressant, mais il n'y a pas la place suffisante la tête homme pour une cervelle normale. Voilà bien la preuve que c'est un vrai savant. Ces messieurs apprécient mes qualités, ça fait plaisir d'être bien entouré. Voici votre itinéraire, messieurs. Vous prendrez le train pour Des Moines, dans l'Iowa, puis la diligence jusqu'à Omaha, Nebraska, puis vous franchirez à cheval les collines noires du Sud-Dakota pour arriver dans le Wyoming. Et vous savez monter à cheval, n'est-ce pas, messieurs? Mais pas précisément. Je m'y attendais un peu. Moi, je sais monter à cheval. Oh non, pas sur moi, mon vieux. Quelquefois, c'est plus difficile qu'on croit. Je ne me doutais pas que j'aurais bientôt d'autres soucis que des leçons d'équitation à donner à trois pieds tendres. Il faut que vous arrêtiez cette expédition à tout prix. Le prix sera très élevé, Stormwind. Bulbulets ne travaille pas pour rien. Peu importe. Si le territoire du Wyoming est ouvert à la colonisation, je suis ruiné. Cette expédition ne doit surtout pas aboutir. Ne vous en faites pas, sénateur, elle n'aboutira pas. Pas d'expédition et pas de colonisation. Si les professeurs n'arrivent pas bientôt, ils vont rater le train pour Des Moines. Et moi, je ne raterai pas ça pour un empire.
Pardon d'être en retard, monsieur Meek. Vous savez, c'est toujours long de faire ses bagages. Mais laissez-moi vous aider, messieurs. Mais si, les paquets sont pas là. Nom d'un chien, mais on ne peut pas emporter tout ça. Oh, voiture ! Je réussis à convaincre mes compagnons de voyager sans excédent de bagages. Mais ma collection de papillons ! Mais ma collection de minéraux ! Et ma collection d'ossements ! Cette expédition n'atteindra jamais les collines noires si elle n'arrive pas à des moines. Et elle n'arrivera même pas à Chicago quand j'aurai décroché ce wagon-là. J'ai tourné dans assez de western pour savoir que quelqu'un qui marche sur le toit d'un train n'est pas un ami. Et que peut faire un fidèle cheval dans ce cas ? Espèce humaine intéressante ! Espèce ferrivia conductor. Laissez-moi tranquille et donnez-moi vos tickets ! Ah, il faut les excuser, l'ami, ce sont des savants. Mon fidèle cheval a besoin de moi. Alors, t'as faim, Jolly ? Ah, alors tu dois avoir soif. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu as derrière la tête ? Il faut que je lui fasse comprendre que ce n'est pas derrière ma tête, mais au-dessus. Bon, bah je m'occuperai de toi plus tard. Il y a quelqu'un sur le toit. C'est ça. Il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Ça devrait satisfaire le sénateur Stormwind. J'aurais pourtant juré qu'il y avait quelqu'un sur ce toit. Malédiction, on a décroché les wagons. Il faut absolument que j'empêche notre expédition de prendre du retard. Il doit être loin derrière nous maintenant. Ces trains modernes sont remarquables. Oui, on est sûr de voyager tout à fait en sécurité. Mais j'aimerais que leur lit soit un peu plus confortable. Chicago, prochain arrêt, Chicago, 4 heures d'arrêt buffet. Je vais télégraphier à Stormwind que ma mission est accomplie. Qu'est-ce que c'est, nous avons réussi, messieurs. Prochaine étape, des moines. Quoi ? Ça fait du bien de s'étirer les jambes. Ah, vous ne croyez pas si bien dire, l'ami. Mais où étiez-vous donc, monsieur Luke ? Oh, je prenais un peu le frais entre deux wagons. Allez, viens, Jolly, on va se dégourdir les jambes. Tenez ! Ce maudit cowboy a saboté mon sabotage. Mais cette expédition n'ira pas plus loin si je vole le train. Emmène-moi à des moines. Désolé, monsieur, ce train ne partira que dans 3 heures et demie. Erreur ! Il part immédiatement. Oui, monsieur. Ta voiture ! Et tous les autres passagers ? Je suis tous les autres passagers. C'est Sandfish à 10 cm de moins que son congénère de Washington. Et il y a le coefficient de résistance du bois pétrifié. De plus, il faudrait ajouter du chlorure de sodium. Et vous pouvez répéter ça pour moi, l'ami ? Un peu de sel, monsieur Luke. Qu'est-ce que c'est, mais tu auras à dire ? C'est très bon. Nom d'une pipe. Ou bien le déjeuner a duré plus longtemps que je ne le pensais, ou bien le train part avec 3 heures d'avance. Ouais, il part avec 3 heures d'avance. Pressons-nous, messieurs, nous avons un train à prendre. Et mon dessert, alors ? Attendez, arrêtez ! Mon train ne part jamais en avance ! Il ne part même pas à l'heure ! Nous avons raté ce train, monsieur Luke. Exact, il a déjà plus de 5000 mètres d'avance sur nous. Oh non, je ne porterai pas tous les membres de l'expédition sur mon dos. Il faut un train pour rattraper un train. Ouf, ça fait plaisir d'entendre ça. Désolé, monsieur Luke, le prochain arrive la semaine prochaine dans 162 heures et 12 minutes, sauf s'il y a du retard, et il y en a toujours. Par contre, ça m'inquiète beaucoup d'entendre ça. On ne peut pas attendre une semaine de plus, monsieur Luke. Le docteur Cranium a raison. Nos universités ne nous ont seulement accordé qu'une semaine de congé pour cette expédition. Ne vous en faites pas, on y arrivera en prenant ce train-là. Ce train-là ? Ce train-là ? Ce train-là ? Oh, je ferais mieux d'y aller à pied. Mais, monsieur Luke, ce train n'a pas roulé depuis des années. Il va rouler. Ouf !
Eh ben, je préférais vraiment l'autre train même, avec ses lits trop petits. Trop noué, par les anneaux, on peut dire qu'il a environ 30 ans. Et quel ce centimètre de diamètre poussé à un seul rocailleux. Messieurs, passez-moi un peu plus, examinez-les moins, sinon on n'arrivera pas à faire monter la pression ni à monter la côte. Je ne t'ai pas permis de faire marcher le sifflet. Ce n'était pas moi, c'était le train derrière nous. Le train derrière nous? C'est ce maudit cow-boy, il nous rattrape. Tu vas faire marcher ce train plus vite? Pas avec tous ces wagons qu'on tire et qui nous ralentissent. Je vais m'en occuper. Et de l'autre train par la même occasion. Nom d'un wagon. Celui qui a volé ce train n'a pas choisi le bon moment pour le rendre. Étant donné la vitesse et l'angle de la pente, la collision est imminente. Peut-être pas si j'arrive à dérouter ce train fou. Oh, vos réflexes sont rapides comme l'éclair, monsieur Luc. Oh, c'était rien. Et nous sommes juste à 1 kilomètre de la gare de Des Moines. Ah, c'est pas trop tôt. J'en ai assez de partager ce wagon avec ce rentre-en-plan. Il transporte lui-même trop de passagers clandestins. Je ne crois pas, monsieur. L'express de Chicago, 4 heures d'avance. C'est impossible. La montre de la compagnie avance elle aussi. Donc, un autre train? Cette maudite montre avance d'une semaine. Tous mes horaires sont fichus. Je démissionne. Bon, il nous reste 5 minutes pour attraper la diligence pour Omaha. Suivez-moi, messieurs. 5 tickets pour Omaha, s'il vous plaît. Voyons, cela fera 4 à plein tarif, moitié pour le chien, et c'est gratuit pour le cheval. Le départ est dans 2 jours. 2 jours? Et la diligence qui part aujourd'hui? Déjà parti. Quelqu'un a loué toute la diligence, et il a loué aussi tous nos chevaux. J'ai idée que c'est le même bandit qui a volé le train et loué la diligence. Étrange client. Pourquoi a-t-il donc besoin de tous ces chevaux? Ça coûte une fortune au sénateur, mais j'ai arrêté pile l'expédition à Des Moines. Il ne reste plus un seul cheval en ville. Il ne reste plus un seul cheval en ville, messieurs. Enfin, il en reste un, mais qui ne se porte pas volontaire. C'était difficile à admettre, mais notre expédition semblait clouée à Des Moines. Eh bien, on marche beaucoup, mais on n'arrive nulle part. Les choses semblaient perdues quand je découvris soudain la solution de nos ennuis. Un cheval oublié par notre bandit. Ça va, messieurs? Étrange façon de voyager, monsieur Luc. Mais étant donné les circonstances, éminemment pratique. Oh, mon Dieu, ça me rend nerveux d'entendre mes clients faire la conversation. Boule boulette! Tu as toujours su voyager, grand style. Nebraska Kid, as-tu reçu mon télégramme? Bien sûr. Bon, allez, allons parler au saloon. Désolé, shérif, vous avez ma chaise. N'oubliez pas votre déjeuner. Je vois que tu es chez toi, Oma, Kid. Alors, dis-moi, Bull, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bienvenue à Oma, messieurs. Merci pour le brin de conduite, mon brave. C'est bien la première fois que quelqu'un me remercie pour la conduite. T'en fais pas, Boule. Si jamais tes clients arrivent jusqu'ici, tu peux être sûr qu'ils n'iront pas plus loin. J'ai confiance en toi, Kid. Mais méfie-toi de celui qui lutte. Ah, je vais l'aplatir. J'y compte bien, mais ils n'arriveront probablement pas jusqu'ici. C'est ma tournée, messieurs. Un thé au citron, s'il vous plaît. Un verre lait chaud. Une orange pressée pour moi. Un demi-panaché dans un verre propre. Kid, les voilà. Ça va vraiment être du gâteau. Oh, je préfère m'en aller avant que la poudre ne parle. Hein. Alors c'est là qu'ils se cachent tous? Faites un peu de place à Nebraska Kid. Ah, d'accord. Dieu maladroit, regardez ce que vous avez fait.
Vous avez taché ma plus belle chemise. Je l'avais fait laver il y a 2 mois. À mon avis, c'est entièrement de votre faute. J'approuve entièrement votre avis, cher ami. C'est cette poussée vers l'avant qui est à l'origine de ce fâcheux contretemps. Vous autres coyotes osez me traiter de menteur. Doucement, l'ami. Et pardonnez-moi, monsieur Luc, mais cette altercation est intervenue entre moi et cet individu grossièrement proportionné. Est-ce que c'est une insulte? Arrangez ça d'homme. Dans un petit moment, permettez-moi d'abord de m'échauffer un peu. Il peut même pas casser une chaise. Vous êtes vraiment un as. Autrefois, j'ai pratiqué les sports martiaux en Extrême-Orient. Hey, hey, hey. Je ne pourrais pas lui partir. On dirait que le kid l'est démoli complètement. Il faut que je voie ça. J'y suis prêt maintenant. Alors on commence. Et qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Comment avez-vous fait ça? Vous n'avez pas d'arme. Mais moi j'en ai une. Hey! 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 Au revoir! Je ferai que citer la région. Bien joué, professeur. Mais il faut maintenant réserver des chambres à l'hôtel. Ce Nebraska Kid n'est qu'un foie jaune. Je vais m'occuper de ça moi-même. Mes compliments, mon cher professeur Cranium. Je n'aurais jamais pu traiter ce Ruffian avec autant d'adresse que vous. Ne vous sous-estimez pas, cher professeur. Bon, il faut maintenant passer une bonne nuit. Demain, nous partons à cheval à l'aube pour les collines noires. Ils n'arriveront même pas jusqu'à leur hôtel. Mais pourquoi ils préviennent pas quand ils partent? Il faut que j'arrive dans les collines noires le premier pour leur préparer une bienvenue à ma façon. Oh, quel temps superbe pour notre départ vers les collines noires. Prêts, messieurs? Oui, selon vos instructions, monsieur Luc. Oui, nous nous sommes préparés à la locomotion équestre. Alors, suivez-moi. Ya, Joy! Oh, je n'ai pas d'objection contre un galop, mais je refuse qu'on appelle ça de la locomotion équestre. Mais on dirait que les leçons d'équitation ont servi. J'ai l'impression qu'ils me suivent. Je pense que notre leçon serait souhaitable, monsieur Luc. Absolument. C'est maintenir un équilibre équestre est une prouesse plus difficile qu'on ne le pense. Nous n'avions plus le temps pour d'autres leçons d'équitation. J'eus donc recours à d'autres expédients. Ceci est le dernier poste avant les collines noires. Demi-tour. Au-delà de cette limite commence un territoire inexploré et dangereux. Ouais, et nous sommes ici pour l'explorer. Ordre du gouvernement. Oh, eh bien, dans ce cas, vous pouvez continuer. Mais je doute que vous ne reveniez jamais. Ah, ça fait plaisir d'être encouragé. Enfin, ces idiots se dirigent de mon côté. J'espère qu'ils vont camper ici, au-dessous de ce rocher. On s'arrête, on va camper là-bas, sous ce rocher. Et ce rocher est très intéressant. J'en dirai autant de la flore locale. Sans parler de la population indigène. Allez, viens, rentre en plan. On va chercher du bois pour le feu. Parfait. Maintenant, je vais pouvoir descendre ce maudit cow-boy. Messieurs, nous devons quitter cet endroit immédiatement. C'est surplomb et géologiquement instable. Instable? Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Merci du conseil, professeur. Oui, merci. Que dites-vous de cet endroit, professeur? Tout à fait convenable, monsieur Luc. Si Rocher résisterait à un tremblement de terre. Ça tombe bien, j'ai de quoi faire un tremblement de terre. Allez, viens, rentre en plan. Nous allons chercher du bois pour le feu. Pour moi, chercher, c'est trouver. Ce sont les faits de leur expédition. J'ai déjà trouvé quelque chose, ça doit être du bois pour le feu parce que ça fume déjà. D'un chien rentre en plan, c'est de la dynamite. Je savais que ça lui ferait plaisir. Planquez-vous tous! Ça ne durera plus longtemps. Ah non! Ouf!
Ce dernier incident avait confirmé mes craintes. On essayait encore de nous empêcher d'atteindre le Wyoming. J'en conclus qu'il valait mieux dormir en route. Je suis beaucoup trop gentil. Il est temps d'ameuter les Cheyennes contre ce maudit cowboy et son expédition. Quoi ? Encore vous ici ? Mais nous avons déjà payé le loyer du mois au grand propriétaire Sunwind à Washington. Le chef Plume Jaune dit la vérité. Il ne peut y avoir d'augmentation sans préavis de 30 jours. Moi, pas venir pour plus d'argent. Moi, venir avertir vous, mauvais propriétaire, venir par ici. Eux vouloir remplacer nous et faire payer le loyer encore plus cher. Et les charges ne seront pas comprises. Jamais. Il faut les arrêter, papa. Du calme, mon fils, nous les arrêterons. Hugues. Hugues! On verra comment Lucky Luke va se sortir de ça. Comment avancent les recherches, messieurs? C'est merveilleux, monsieur Luke. Le sol du Wyoming est parfait pour l'agriculture. Et ces fleurs prouvent que le climat convient parfaitement à la culture des fruits et des légumes. Cette poterie prouve que la civilisation a dû être florissante ici. Ouais, mais pas sans eau. Je vais aller remplir les gourdes. Je boirai bien moi-même un peu d'H2O. Hi, Jolly! Je reviens tout de suite! Allez-y, monsieur Luke, nous avons de quoi nous occuper. J'aimerais bien trouver la créature qui a laissé ses empreintes. Un quadrupède félin, ce me semble. J'aimerais bien rencontrer les artisans indiens qui créèrent cette poterie. Je crois que je viens de mettre la main sur l'un d'eux, docteur. Quelle chance! Nous allons peut-être pouvoir les étudier. Je crois que ce sera difficile. Voilà, grand chef. Eux vouloir augmenter le loyer, alors moi, aidez-vous, vous débarrassez d'eux. Voici donc ce quadrupède félin, mais quel splendide spécimen de lion des montagnes. Sauve-toi, petit roquet. Pas beaucoup plus difficile que si c'était un veau. C'est la dernière fois que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Oh. Pas si vite. Ce propriétaire a sauvé mon fils. Propriétaire? Il vaut mieux que je file d'ici, moi. Oh non, pas encore. Au cours d'un amical powwow, les Cheyennes m'expliquèrent que Stormwind et Boulboulette leur faisaient payer un loyer pour leur propre terre, ce qui ne leur plaisait pas du tout. C'est absolument illégal. J'assurais également mes nouveaux amis qu'après l'expédition, les coupables seraient punis. Et je tiens toujours mes promesses. Ça commence à être surpeuplé ici. C'est le moment de se barrer. Le rapport de l'expédition fut approuvé par le Sénat. Je déclare le territoire du Wyoming ouvert à la colonisation. Cela n'aurait pu se faire sans la contribution de Lucky Luke. Absolument. Oh, c'était facile. Les professeurs ont raison, Luke. Voulez-vous nous faire l'honneur de couper le ruban? Luke, mais où est-il? I'm a poor, lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor, lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy. Sure.